Bonjour madame, alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous dire votre nom, le nom de votre compagnie et son activité principale et nous donner vos impressions sur l'organisation de la conférence mondiale du Cajou, le WCC 2023 ici à Dubaï. Merci monsieur. Alors, je suis Massogwe Touré Diabaté, PDG du groupe CITA. CITA, c'est la société ivoirienne de traitement de nacre en Côte d'Ivoire. D'accord. Effectivement, nous sommes ici aujourd'hui pour participer à Cajou Convention parce que nous pensons que c'est un événement majeur dans la vie de notre activité. En effet, j'ai cru toujours à cette organisation parce que sur cette plateforme, on a la possibilité d'avoir plusieurs informations sur tout le continent. Et ça, c'est très, très important pour nous. Ce matin, nous avons eu le marché au niveau des amandes sur la Turquie, sur les États-Unis, sur l'Europe, sur l'Arabie Saoudite, dans le Golfe et partout en même temps. Parce qu'avoir les informations et les informations vraies dans notre activité, c'est extrêmement important. Et puis en industrie, il faut avoir la possibilité de pouvoir planifier. Planifier sur un certain nombre d'années, ce qui n'est pas évident dans notre activité. Donc on est toujours à la recherche d'informations, on est toujours à la recherche d'innovation en termes d'équipement, en termes d'information et d'amélioration aussi de notre activité. Donc cette plateforme aujourd'hui, ce forum vient à peu nommer et c'est très important. J'ai eu la chance d'assister à leur début quand ils commençaient et aujourd'hui avec beaucoup d'années en arrière, je vois la sagesse et la maturité dans l'organisation. En tout cas, bravo et c'est vraiment important pour nous. Merci madame. Merci. Alors, nous espérons vous voir en 2024. Inch'Allah, si prêt à Dieu, si nous sommes là, on va faire partie de l'équipe. Si merci, prêt à madame. Dieu, Inch'Allah. Merci. À bientôt pour 2024. À bientôt. Si prêt à Dieu. Merci madame. Merci. Merci. Ouais, madame Touré, c'est she's the CEO of the company CITA, based in Ivory Coast, which is a processing company, actually the first processing company in Ivory Coast, and I should say in West Africa. Overall, she said that she's very happy, very glad for to have participated at World WCC. Why? Because she was able to get all the information for the kernel of all the world. Saudi Arabia, North America, Europe, Asia. So WCC is an important, a very good platform, an important platform. And she was blessed to be there since the beginning. And she promised to be with us by God's grace in 2024. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you so much.